Oui, on manque de lucidité, je pense, de lecture de match. On a essayé de bien faire, mais malheureusement, on a pris un compte qui a mal géré et qui nous a fait mal derrière. Donc voilà, c'est dommage, parce qu'on prend 3 buts à domicile, on peut mieux faire, nous tous. Donc il faut travailler et pas lâcher, et essayer de changer le momentum. Donc voilà, c'est comme ça. Non, on a eu du mal à gérer cette situation-là tactiquement. Je pense que justement, on pouvait être. La ligne défensive, on pouvait être plus haut et permettre aux deux milieux de terrain de mieux gérer le milieu aussi. Donc voilà, au final, on a reculé et on a laissé beaucoup d'espace à cette équipe-là. Donc pour rectifier tactiquement et continuer à travailler, il n'y a pas le choix. C'est dur, c'est très très dur pour tout le monde, mais on n'a pas le choix de continuer à travailler. Oh, ça changera, vous savez, que je marque ou pas, ou qu'on fasse des erreurs, ça ne me changera pas. C'est pas ce qui me fera changer, c'est le foot justement. Donc voilà, une saison c'est long, il faut essayer d'être le plus régulier possible. C'est ce qu'on a du mal à faire en ce moment. Donc voilà, c'est pas le fait d'avoir marqué la dernière fois qui va me faire changer, d'avoir posé un penalty aujourd'hui qui va me faire changer, non. Je vais continuer à travailler de la même façon et continuer à essayer d'aider l'équipe à sortir de cette situation qui est difficile pour nous. Et c'est sûr que moralement c'est dur, c'est une période délicate, mais on n'a pas le choix que de garder la tête haute et continuer à travailler pour changer les choses, parce qu'il y a quand même de la qualité dans l'équipe. Ah, on l'entend chez les journalistes, comme vous dites, en tant que professionnel, on se présente sur toutes les compétitions. Ce serait grave de ne pas être déçu d'avoir perdu par exemple ce soir pour se dire qu'on a la Ligue des Champions à côté. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, on va continuer à travailler et se concentrer sur ce qu'on peut, c'est-à-dire ces deux compétitions. On a mérité d'aller en Ligue des Champions parce qu'on a gagné le championnat canadien, donc c'est très bien de l'avoir, mais la MLS est un championnat compliqué et on est dedans jusqu'au bout, donc à nous de continuer à travailler de l'ensemble. Merci à toi.